Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le tout premier épisode de ma saison 2 de Peak All Blocks. Allez, c'est parti, on va créer ce monde. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'épisode de présentation de la nouvelle saison Peak All Blocks. C'est un peu le même que la saison précédente, hein. D'ailleurs, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Et donc, il s'agit de récupérer tous les blocs et items du jeu et de les mettre dans un musée, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, j'ai mis Peak All Blocks saison 2, voilà. Donc, les World Options, on va mettre des structures, on met en défaut. Je suis sur 1.7.4, donc une version supérieure, mais sans mode, mais avec un pack de textures que vous avez vu au début du jeu, qui est le pack de textures Conquest. Enfin, c'est un ressource pack d'air. Donc, un seed, bah, allez hop, Peak All Blocks. C'est... voyez. Saison... Allez, down. On va faire ce monde. C'est parti. Alors, ça reste de laguer un petit peu. Allez. Allez, mon petit. Youpi. Les lags de début parti. Allez. Je crois qu'il va falloir que je mette à jour ma carte graphique. Ça s'arrête un peu de laguer, mais ça a vraiment, mais vraiment du mal à charger, dire. Donc, allez, c'est parti. Bah, comme d'habitude, comme tout bon début de partie sur Minecraft, encore, c'est la coupe de bois. Je vais pas trop vous embêter avec ça. Je vais prendre quoi, 8 de bois, et puis après on va partir à exploration et on va essayer de s'installer quelque part pour passer la nuit. Hop, j'en prends encore un peu. Voilà. Encore un dernier. On finit l'arbre. Bon. Ça, c'est bon. Donc, 10 de bois, c'est déjà pas mal. On a spawné dans un biome quoi donc? Dans un biome plein. Là-bas, il y a une forêt. Une jolie petite plaine, il y a des moutons. Il y a des moutons. C'est cool. Alors, crafting table. Alors, hop, des sticks. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est une pioche. Non, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est pas très intelligent. Faut que je trouve de la pierre rapidement. Histoire de me faire une hache en... Ben, une hache en pierre. Oh. Ah. Bon, il va falloir que j'installe Optifine, j'avais pas vu ça. Il va falloir que j'installe Optifine, ça sera réglé dans le prochain épisode, vous inquiétez pas. Je suis désolé pour celui-là. Ça va un petit peu pourrir certains moments de la vidéo, mais c'est pas grave. C'est des cochons. Cochons. Ah, de la pierre. Je crois que c'est de la pierre. Ouais, c'est de la pierre. Allez, hop. Non, il n'y a pas de pierre. Il ne faut pas beaucoup de pierre, de toute façon. Voilà, ça suffit largement. Cela suffit amplement. On retourne à la table de craft. Donc là, s'il y a des cochons, c'est cool. Je vais pouvoir les tuer et récupérer de la viande. Alors, hop, non, c'est pas ça, c'est la stone axe. Voilà, ça y est, on va pouvoir couper un peu de bois, un petit peu plus, histoire d'être tranquille pour la nuit. En plus, ça va plus vite, comme ça, je vous embête pas trop. Et on va partir, dès qu'on aura tué des cochons, on partira en exploration. Pour essayer de se trouver un petit endroit sympa pour s'installer. Voilà, encore un tout petit peu. Je sais, c'est jamais très amusant. Mais c'est nécessaire, c'est aussi ça Minecraft, c'est pas que du fight ou de l'exploration. C'est aussi la collecte de ressources. Voilà, comme ça je suis paré pour au moins deux ou trois épisodes.
on va aller chercher notre table de craft. Je sais pas du tout ce que j'ai là. Il a tendance à décharger les chunks en permanence. Et je crois que je sais ce que je vais faire. Du coup, mon PC qui est trop puissant, on va baisser la render distance. Ça ira peut-être mieux. Alors, ah bah du coup, j'ai pas fait d'épée, ça ira peut-être mieux pour tuer ces petits cochons. Hop. Et bah c'est parti. Allez, 3 côtelettes. 4. 6. Il y a des moutons aussi. Il y a des moutons, il faudrait peut-être que je les tue. Je voudrais récupérer un peu de laine histoire de se faire un lit si on veut passer la nuit. Ça peut être très utile. Encore un cochon et un mouton. C'est super. Alors. Donc, ici, il y a quoi? C'est des forêts de bouleaux. Encore des cochons. Il y a plein de cochons, ça c'est bien. Moi, j'aurais pas de problème de nourriture. J'ai 14, c'est nickel. Encore en tuer un peu. On va se déplacer parce que ici c'est de la forêt. À gauche c'est la plaine. Oula. Ça sent la grotte ici. Ah bah oui. Je suppose que c'est celle-ci. Je crois que je vais descendre. J'aime pas trop ça. Mais il y a du charbon. Allez hop. Quelques bouts de charbon. Histoire de se faire quelques torches au tout début. Ça peut être fort utile. Voilà, de toute façon il n'y en avait pas 36. Pas question que je m'aventure là-dedans. En tout cas pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc on va continuer de se déplacer. Hein. On ne perd rien à se balader. Donc il y a plein de boulot. Waouh, j'ai sacré lag, il doit charger la map. Il doit charger la carte. Bon. On va essayer de se caler en haut de la colline là-haut, histoire d'avoir un petit point de vue. La côtelette ici. Je pense qu'on est bon niveau côtelette. Hein. Il y a du gravier un peu pas. Ah! Du mal à monter. Alors. Là-haut, ça donne quoi? Donc là, il y a des champignons. Je vais récolter parce que je suis pas sûr de retomber dessus. Comme je suis pas sûr. Autant prendre. Ah bah, il y a des fleurs un peu partout. Oh la vache! Des fleurs partout. On va prendre quelques exemplaires de ces fleurs d'ailleurs. Je les connais pas toutes. Donc là c'est des collines. Bon, joli d'ailleurs les fleurs. C'est des collines. Ouais. C'est peut-être pas. Oula, gros lag. C'est peut-être pas forcément la meilleure solution d'emplacement. Oh c'est joli quand même. C'est assez joli. Les fleurs ont été cassées. Il y a des fleurs partout, c'est un truc de fou. Alors. Par ici. Oh la vache. Oh mon dieu. Toutes les fleurs. Ah ah ah. Crevasse. Crevasse à l'air libre. Nickel ça. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais bah.
C'est une bonne nouvelle du coup, parce qu'on sait au moins qu'il y a une crevasse dans le coin. Là-bas c'est la plaine. Toujours utile les crevasses. Permet de rentrer dans les phases d'exploration assez facilement. Je me souviens dans la saison précédente, j'avais eu pas mal de crevasses aussi. J'étais mort dans une d'entre elles d'ailleurs. Oh ouais, j'ai plus de bouffe. J'ai plus de nourriture, il y a toujours des cochons partout. Des cochons partout. Alors là, il faut vraiment que je me trouve un endroit pour passer la nuit. Ça commence à devenir assez indispensable. Ok, je suis dans une forêt. Ça, on ne peut pas le nier. Le soleil va bientôt se coucher. Alors. Alors. Ils ont du mal à charger carrément les nuages. Je sais pas ce que j'ai, hein. Je crois qu'il va falloir que j'installe Optifine, ça va peut-être aider. On va se caler dans la paroi de la montagne avant qu'il... Avant qu'il fasse nuit. Aïe. On va escalader dans la paroi de la montagne. Histoire d'être tranquille pour la nuit. Et je pense qu'on va essayer de s'installer pas loin. Pour ce qui est de notre maison et de notre musée. On va essayer de faire quelque chose de design aussi. Il faut vite que je m'installe. Allez hop. On se dépêche. Non, c'est pas ça. Je vais faire une porte. Voilà, ça y est, je suis tranquille. Toujours flippant, ces débuts. Hop, 12 torches. Donc, on va s'installer. Il faut vite que je fasse cuire de la nourriture, sinon j'ai crevé de faim. Ça serait ballot. Surtout avec toutes les nourritures que j'ai sur moi. Hop. Fournace. Et on va faire cuire... On va utiliser deux derniers charbons. Hein. On va faire cuire le porc. Alors, donc on va commencer à creuser. Hein. C'est la première nuit, c'est un peu toujours le même rituel. La récolte de ressources minières. Bah dis donc, ils en font des lags. Bon, bah, je réglerai tous ces problèmes pour l'épisode 2, c'est-à-dire mise à jour de la carte graphique, installation d'Optifine, etc. etc. Comme ça ira un peu mieux. Pour moi et pour vous d'ailleurs. Ça évitera des gros lags et des messages affichés sur les plantes. Alors, il fait bien nuit. Oui, il fait bien nuit. Alors, de la nourriture, on va pouvoir manger. Voilà. Et on va pouvoir commencer à creuser. Il va falloir que je me fasse un meilleur équipement d'ailleurs. J'ai que 3 de laine, j'aurais bien fait un lit. J'aurais bien fait un lit histoire d'être... de pouvoir passer un peu la nuit. Si ça m'ennuie un peu trop. Alors. On va faire une stone pickaxe. Il me faudrait du charbon, clairement il me faut du charbon. Je peux pas survivre sans ça. Parce que là, je vais être rapidement à court de d'éclairage. Donc j'aimerais bien du charbon et pourquoi pas un petit peu de fer. Pour un démarrage, ça serait cool. Surtout que je déteste aller dans les grottes sans avoir du stuff. Surtout que c'est dangereux. C'est assez dangereux. Et je pense que j'irai dans la crevasse aussi le lendemain matin. Bah, donc l'épisode 2, oui bah oui l'épisode 2, ça reste d'être l'épisode 2. J'irai récupérer les ressources qui affleurent à la crevasse, parce que du coup c'est comme si à l'air libre, je crains pas grand chose. Si ce n'est un creeper qui me tombe sur la gueule, mais bon. Vu qu'ils sont un minimum intelligents, ils évitent de trop faire ça. Alors, un petit peu de charbon s'il vous plaît. Parce que là, je suis en train de descendre dans les tréfonds de... Je fais quelle couche? 49 déjà? Je suis en train de descendre dans les tréfonds de... du monde de Minecraft. Et j'aimerais bien un peu de charbon avant de descendre trop loin. Ça serait un peu bébête.
Allez. Non, vous voulez pas, vous avez vraiment pas envie, hein. J'ai déjà creusé tout ça et... Masque 6 torches. Maintenant plus que 5. Ah là là. Ah, que dalle, hein. Ok. Ça c'est du gravier. J'ai eu tendance à prendre ça pour de la mudstone au début. Je pense que vous aussi. Et non, ce n'est pas de la pierre de donjon. C'est bien du gravier. Et qui dit gravier dit pas charbon quand même. Bon, par contre, on a un sexe. Oh, j'entends de l'eau. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Peut-être que le son est pas assez fort. Mais en tout cas, moi, je sais que j'entends de l'eau. À ma droite. Il semblerait qu'il y ait quelque chose là. Tout cas, par là, il y a quelque chose. Ah, bah voilà. Trouvé! Oh, bah dis donc. C'est pas super intéressant, ça. C'est une mine. Ça fait longtemps depuis que je joue à Minecraft que j'ai pas trouvé de mine abandonnée. Oh, c'est un peu dangereux ce que je fais là. Bon, par contre, toujours pas mon charbon, moi. Et ça commence à craindre sévèrement. J'ai pas envie de faire de charcoal. Faut que je remonte, de toute façon. J'ai pas envie de faire de charcoal avec mon bois, parce que le bois, c'est quand même assez précieux. J'ai pas envie non plus de vous en... péter à tous les épisodes à récolter pendant 2 minutes du bois. C'est pas le plus intéressant de Minecraft, hein. Et surtout que j'ai parfois un peu de mal à meubler, quoi. Le meublage, c'est pas trop mon fort. Et voilà, bah, comme cet exemple là hein, le meublage, c'est pas trop mon fort. Voilà, donc là j'ai récupéré toute ma nourriture. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant dans cette mine abandonnée? Bah du coup, il va y avoir... Il va y avoir possibilité d'avoir des araignées bleues et donc des donjons. Il y aura pas mal de fils. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sinon dans les mines? J'essaye de me souvenir, hein, si vous avez les réponses. Je pense que vous avez la réponse, mais moi j'essaye de me souvenir, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de mine. Et pourtant, ça fait pas longtemps que j'ai joué à Minecraft. Mais je tombe rarement dessus. Ah bah voilà! Enfin! Mon charbon. En espérant que ce soit un bon filon. Histoire que j'ai pas à refaire ça trop souvent. Ouais, c'est pas un mauvais filon. Je pense que ça aurait pu être mieux, mais c'est pas un mauvais filon. Je suis déjà tombé sur des filons de plus de 64, c'était absolument abusé. Je passe 20 ans à récupérer tout ça. Voilà. Nickel. Bon, bah on continue à creuser, hein, de toute façon, on perd rien. Je suis à quelle couche? Déjà la couche 19? Eh hey, je suis déjà presque à la couche du diamant, moi. J'ai rien croisé si ce n'est... C'est quoi ça? Ah, c'est du charbon. Moi, j'ai encore un peu de mal avec cette texture pack. J'en avais un autre que j'aurais volontiers mis aussi. Le problème, c'est qu'en fait, il était à moitié en... Comme il était en 1.6.4, il était à moitié... C'était à moitié texture packée. Donc, il y avait des items qui étaient en 16x16 et des blocs en 16x16 qui juraient un petit peu à côté des blocs en 64x64. Alors, hop. Bon, bah voilà, 40. 40 et je suis niveau 5. Nickel. Je suis à quelle couche? 14. Ouais, bah, y a possibilité de trouver du diamant, sauf que j'ai toujours pas de fer. Pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bon, bah en tout cas, on sait par où faudra creuser. Donc là, il y a de la terre. Je vais peut-être refaire des torches. Et je pense que je vais remonter. Voilà. 32 torches, ça ira bien. Je vais remonter. Et je pense qu'il doit faire jour. J'entends de la lave d'ailleurs. Quoi, ça fait 20 minutes? Déjà. Eh ben dis donc, c'est passé assez vite. Bon, bah épisode de...
d'exploration, toujours pareil, le premier épisode, oh bah, tiens j'ai loupé un bloc là. Le premier épisode c'est jamais le meilleur, c'est jamais le plus palpitant, c'est bah là pour le coup, on rentre pas d'entrée dans le fight, l'exploration, la recherche pour les blocs, c'est sûr. Mais, c'est un épisode de présentation plutôt correct quoi. On s'est bien implanté, on a exploré, on a trouvé une faille à l'air libre, ce qui est un avantage non négligeable. Et on a même trouvé une mine abandonnée, ce qui est aussi un bon avantage. Voilà. Plus le jour se lève, bah nickel, comme ça le prochain jour, enfin le prochain dans 3 jours, je reprendrai sur de l'exploration à l'extérieur, en sachant que j'aurai mis à jour mes drivers, tout ça, etc. Et que normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Allez, à la prochaine, salut à tous !